Alors, on rencontre Louiselle Bérubé, auteure de Leïla et la magie de l'amour. Alors, Madame Bérubé, parlez-nous un petit peu de votre roman qui est un conte, je crois. Oui, un conte fantastique qui touche l'amour. Finalement, j'avais le goût de sensibiliser, de faire réfléchir les gens sur le thème de l'amour et sortir de l'amour du couple. Donc, parlez-nous un petit peu là, au niveau de l'édition. Je crois que ça a été un peu complexe, votre histoire, par rapport à votre livre. Oui, c'est assez particulier parce que j'ai jamais réussi à trouver une maison d'édition au Québec. Je crois que c'est le type de livre qui n'était pas assez vendeur. Et finalement, je l'ai envoyé en France et tout de suite en France, première maison d'édition a décidé de le publier, ce qui a fait mon plus grand bonheur. Donc, on pourra le trouver dans les librairies du Québec à partir de quand? Normalement, il est peut-être arrivé dans certaines librairies. Je suis pas au courant, c'est Hachette, Distribution Hachette qui fait la distribution au Québec. Mais de toute façon, s'il n'est pas là, vous le commandez, la librairie va le commander, va vous le faire venir. Parfait, Madame Bérubé. Alors, je vous souhaite un très beau salon. Merci.